s'appelle Mendelssohn. On est relativement content d'être là, jusque-là. Ça faisait quelques concerts que j'avais pas joué avec mes amis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. On a déjà joué ici, je m'en souviens. C'était il n'y a pas longtemps. Une petite douzaine d'années. On a fait un grand tour comme ça. Et puis on est revenu au même endroit. C'est comme une... qui revient au même endroit. Comment ça s'appelle, une spirale qui revient? J'ai quelques mini problèmes techniques, mais un chouille, hein, rien, à peine. Ma guitare joue quand elle veut jouer. Bon, en même temps, c'est pas très très important. Mais c'est peut-être pour ça que du mal.
comme ta seule certitude. Quelqu'un seul à cette heure même où tu pars ne revient pas et hurle. Qui ne dort plus chez lui, qu'on puisse venir le chercher. Qui, de peur de la honte, quand ils briseront sa porte, s'endort déjà. Tout habillé. Force quotidienne du mal, comme ta seule certitude. Quelqu'un seul, à cette heure même, signe sa propre mort, sa propre signature. Qui offre la mort de son meilleur ami, qui s'accroche encore pour tenir encore cette nuit. Quotidienne du mal, comme seule certitude. Surpris encore quand on te parle, ta voix, ton visage. Tu ne reconnais plus. Confiance dans le monde a volé. Ta femme, tes enfants, ta maison, celui que tu appelles toi-même, en toi-même, les livres. La pensée, tout a été volé. Tu le raconteras, tu ne croiras pas toi-même que là te soit vraiment arrivé. Les coups pleuvent sur sa tête et tout ce qu'il aura bien pu s'imaginer du bien de l'homme et de la fraternité n'empêche pas les coups. On parle de tomber. Thank you.
c'est des hommes. Ignorant. La lecture. La force des hommes. Ignorant. Le doute. La force des hommes. Pratiquant. La torture. La force des hommes. Supportant le foot. La force quotidienne du mal. Comme seule certitude. Tantôt sur lui. Tantôt sur ton frère. Tantôt sur l'Irak. Tantôt la Serbie. Tantôt sur l'Iran. Non, c'était bien. C'était bien. Ah, elle fume en regardant le concert, ça c'est bon ça. J'ai arrêté de regarder des concerts. C'est pas bon pour la santé. On va essayer de...
peut continuer, oui. Non, enfin, honnêtement, ça fait 12 ans qu'on n'a pas joué ici, mais moi, j'ai pas... Inchangé, hein? Non, honnêtement. Qui était là la fois précédente? Moi, j'étais là. Ouais, Étienne, tous les deux, on n'a pas bougé, hein? Autant, bon, il y en a d'autres qui ont un peu... Mais moi, pareil. Il y avait une seule personne qui était là, on a un renouvellement de public énorme. Pardon? Quentin Rollet était là aussi. Ouais, non mais je parlais pas de lui sur le fait de vieillir et tout ça. Hein. Étienne, je crois que t'as des esprits un peu. Elle est bonne, hein. Ok, on va continuer tout de suite par une chanson qui s'appelle D'un coup.
si j'avais été fatigué pour toujours, nous aurions pu vivre et mourir ensemble. Encore 100 ans ici. Mon amour. Chansons qui se ressemblent, quoi. Hein? Non, et honnêtement, vous n'étiez pas à Lille non plus? À Lille? Oh là 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 là. Non, parce que Paris, c'est fini. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. Metz, oh putain, Metz, magnifique. Paris, pouf. P-A-R-I-S, Paris. C'est une chanson qui est encore plus vieille que nous, hein.
dans un lotissement. Dans une vie légère. Légèrement vide. En voie d'achèvement. C'est un bruit de bricolage. C'est un endroit silencieux. Couleur de village. Avec ses rues. Oh non. Délicieux. Sous un ciel. Très blanc. Dessus, ces pylônes en bordure d'un champ, tu manges toute seule le soir au restaurant. Tu n'as même pas 35 ans. Tu n'as pas de proches ici. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as plus que des collègues. Tu t'accroches aux personnages de série. Tu connais leurs prénoms, leurs visages. Et tu leur donnes tous tes week-ends. Existence ainsi doucement se dissout dans ces espaces trop vastes et trop mal pensés. Tu te sens flotter à gare le dimanche. Le dimanche, le supermarché. Plus la foule est nombreuse, et puis tu te sens seul, déserté. Et tu restes là, sans plus de gestes, sans parole, prêt à tout, mais sans rien faire. À vivre comme vaguement, à vivre comme tout un chacun, à vivre somme toute comme tout naturellement. Sans l'idée que revienne un jour l'envie d'avoir un destin, une vie plutôt que des vacances. Déjà très vieille ville nouvelle, peuplée de vie en ruine et d'espoir se ruinant. Tu écoutes de l'autre côté du mur quelqu'un se tourner. Des regards vides devant des caddies pleins au fond de parking
devant des voitures neuves, dans ce monde d'embouteillage, en journée désert, ces contrats, les lieux de vie, rond-point, ces aires de repos. Tu te vois de plus en plus souvent dans un vertige de nausée, dormir, tomber d'un sommeil létal. Transparent.
faire une chanson qui s'appelle l'Ardèche. Faut qu'on finisse à 23h30 pile. Sinon, on joue à Romainville le 28 mars. Et après, on joue à Lourmarin, c'est ça? C'est 850 km, 800. Une paille. On joue dans un temple. C'est normal. Les groupes cultes. Non, les jeux de mots, je déteste ça, c'est vraiment... Ouais. C'est ce que c'est un groupe culte, hein. C'est un vieux groupe qui n'a pas de succès. Enfin, enfin, je veux dire, je vous échangerai pour... enfin, je veux dire, même un zénith avec d'autres gens, je vous garde vous, hein. Qu'est-ce qu'on ferait avec un zénith plein de quoi? Non, justement. Ben, comment vous pouvez... Oh, on aurait l'air malin dans un zénith, là. Voilà, on serait tous sur scène. Si on repense à il y a 12 ans, il y a des gens qui étaient avec nous pas loin, hein, des amis de Quentin, mais bon, maintenant c'est des anciens amis, quoi. J'en ai vu un l'autre jour à la télé, là, avec Calogero, dites-nous. Mais c'est vrai? Alors, si. En fait, à l'époque, c'est comme si on était tous dans la même classe, quoi. En CM2, à Chartres, par exemple. On a tous la photo, quoi. Puis ah, dis donc, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, devenu plombier. Puis, ah ben lui, il est avec Calogero à la télé. Et Mendelssohn, ah bah, ils jouent à l'Olympique. Ah, ils sont restés en CM2. Ils ont... Ah oui. Ils n'ont pas bougé, les mecs. Mais arrête, on t'adore. Oh là là. Bah oui. Non, mais moi aussi, je m'aime, hein. Non, mais... Je veux dire, nous, on n'a pas envie de changer d'école, hein. Exactement. D'ailleurs, alors, quand il était avec la télé, puis il y a Calogero qui vient et qui l'accueille, qui lui fait comme ça, c'est pour lui faire enfin, les trucs qu'ils font à la télé, tu sais, les trucs showbiz, tout ça. Et il devait rester un truc dans sa tête de l'ancienne école, parce qu'il fait comme ça. Ah bah dis donc, l'autre il arrive comme ça, oh, embrasse-moi. Comme quoi, dans notre école, bah, y a des choses qui restent. Hein. On n'embrasse pas n'importe qui, même à la télévision, enfin je veux dire, un peu de dignité. Pierre-Yves a vraiment envie de jouer cette chanson. Alors, comme il a, on va bien regarder ses doigts, voir s'il ne se trompe pas d'accord. Ok? Pression, pression. Ouais, enfin, on est bien. On est bien. Bon, il reste plus que 7 minutes, c'est bon. Il y a des gens qui étaient à la Maison de la Poésie? Oui. Ah ouais? 4. Ah non, mais un jour on vous réunira tous ensemble et alors là je vous raconte pas. Hein.
là, on joue à la maroquinerie ou un truc comme ça. Hein. Dans le restaurant. Ou la terrasse, enfin. On trouve un truc. Non, moi, j'ai... Non, mais ne croyez... Non, parce que j'ai... Il y en a des chanteurs aigris. Non, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis vraiment... Honnêtement, hein, je suis très heureux. J'aime beaucoup ce que je fais. J'ai aucun problème. Mais bien sûr, le cabaret sauvage. Bon, le son était pas bien, on n'entendait pas la voix, c'était tout noir sur scène. Le glazer, oh là là, dites donc. Et vous n'avez pas changé non plus, monsieur? Pas bougé, hein? Glazer, ouais. Avec Dionysos, c'est ça? Ah ouais? Mais ouais. Mais eux, ils ont redoublé, eux. Ils sont plus là, hein. On est désolé, mais vous êtes viré. Vous êtes viré de l'école. C'est... Oh bah non, quand même. Il y a des gens qui fument là, c'est bon ça. Ok, donc il reste plus que 2 minutes, donc on va vite faire l'Ardèche. Une chanson.
Merci beaucoup. Tout petit aparté entre. Cuisine interne. On peut s'en aller. Hein. Après, il va rester plus que la dame. Elle déjà, elle est pas très contente. Alors, me laissez pas avec elle, hein, s'il vous plaît. Alors, c'est une chanson qui s'appelle "Il n'y a pas d'autre rêve". On a encore le temps? Non, je demande aux organisateurs, Benjamin Cachera. Ah, oui, j'ai vu un pouce. Ouais. Super. Merci à Tim qui fait le son ce soir. C'est sa première fois ici. Nous, c'est notre deuxième. Bon, voilà. À dans 12 ans. Des gens qui parlent. Je vous entends, mais je comprends pas. Ça m'arrive souvent. Les gens me parlent, puis je suis comme ça. Ah non, bah oui, bien sûr. Ah bah, ouh. Ok. Jean-Michel Pires au tambour. Les tambours tribaux. Non, mais on applaudit jusqu'à la fin pour Jean-Michel. Pierre-Yves Louis, à la guitare, à la basse. Donc il manque Charlie O, qui est, disons là, Charlie O, bravo, magnifique. Là, normalement, il y a Sylvain Joasson aussi à la batterie. Il est bien, hein. Et puis, Quentin Rollet. Ah oui, bien sûr. Qu'il y a pas, qui s'appelle Il n'y a pas d'autre rêve, et puis après on va laisser repartir dans votre métro. On habite à côté, pas de problème. Les heures en rappel. Tu n'as rien d'autre à toi, invente.
signe, une langue nouvelle. Une langue que tu sers seule à te parler. Comme cet homme sur son île.
Judith, Benjamin, c'est encore bon? Oui, oui. Oh, c'est moins clair. C'est pas le même doigt, quoi. Une petite. On va faire une chanson qui s'appelle J'ai encore envie. Et c'est la deuxième fois que je la joue sur scène. Ils l'ont jamais joué eux-mêmes. Mais bon. C'est comme ça qu'on reste jeune. S'il vous plaît, messieurs, les gens attendent. Non, pas du tout. Ah, c'est bien. Je ne connais pas. Oui, mais moi non plus. Alors, on va faire une autre. Je connais pas le texte. Ah non, il n'y a pas de pupitre ici. Je connais pas les textes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Embarras. Très bien. Non. Tu me tiens la feuille. Moi, j'aime les gens. Il y a 12 ans, il n'est pas tant. Mon frère. Non, et on va faire J'ai encore envie, mais je vais me tromper dans le texte, ok? Ouais. Allez, on y va. Je suis bien entouré. Je changerai pas d'équipe. J'irai jusqu'au bout avec. C'est le Camel Trophy, vous vous souvenez? Ça existe encore? Ben voilà. Jusqu'au bout. Mendelssohn Trophy. Il faisait ça dans des 4L. Nous aussi. Merci, à bientôt. Le 28 à Romainville. C'est un peu comme ici, sauf qu'il n'y a personne dans les rues.
J'ai encore envie d'aller au cinéma. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et comme dirait Jean-Louis Aubert, vous êtes mes amours. Merci beaucoup.